mais qu'est-ce que... Oh, Uni, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial, cet imbécile a eu peur de son ombre, comme d'habitude. Oh. Uni, reviens! On n'ira nulle part tant que je n'aurai pas enlevé ces cailloux dans ma chaussure. Garde-les, pour une fois, c'est pas à nous que tu casses les pieds. Ça suffit comme ça, il me la faut. Une deuxième licorne. Regardez, une autre licorne. Et manifestement, elle a des problèmes. Oh, on ne va quand même pas s'affoler pour ça. Uni, admire l'artiste. Presto, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bête de... Oh, oh, oh. Parfait! C'est bien mieux comme ça maintenant. Oh non! Hé, où est passé Uni? Aucune idée, mais cette licorne a besoin d'un coup de main. Vous avez vu ce que j'ai vu? Comme c'est dommage, tu es trop jeune pour avoir appris à utiliser tous tes pouvoirs. Le plus désolant, c'est que tu n'auras jamais le temps d'apprendre. Voilà. Rappelle les autres maintenant. Attention, vous êtes prêts? Cette fois, on les tient. On les tient. Qu'a pu leur faire peur? Eh bien, c'est simple, Sheila. Ils ont entreaperçu mon arme, ils ont entreaperçu mes muscles d'acier. Et ils ont entreaperçu ta tête d'ahuri. Une seconde, où est Uni? Elle a dû avoir peur des loups et elle a filé dans la forêt. Ils sont partis par là. Pas de problème. Alors, on va par là, nous aussi. Je me demande si ça ne serait pas mieux par là. Oh, c'est incroyable comme tout le monde se contrefiche de mon avis. Pourquoi je n'irai pas par là? Tu ne sais donc pas qu'une licorne ne peut entrer en lévitation qu'une seule fois par jour? Ah, excellent! Tes amis nous suivent exactement comme je l'espérais. Je n'ai pas envie de me faire abîmer le portrait pour sauver une licorne. Toi, tu ne sauverais jamais personne. Allons, allons, mes amis. Eric a toujours une bonne occasion pour se défiler. Oh, ça, c'est le grand maître. Qui est le type avec les loups? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il a emmené Uni. C'est le magicien Kellec. Attention, barbare. Il a bien davantage de pouvoir que vous ne pouvez le croire. Oh, ce petit bonhomme ne s'en tirera pas avec des devinettes cette fois. Je note tout ce qu'il dit maintenant et je vais craquer. Et cette grande licorne, qui est-ce? C'est le chef du troupeau des licornes qui vivent dans ce monde particulier. Et comment il a pu disparaître aussi vite? Il a une corne magique. Elle lui permet de se déplacer par téléportation, comme tous ses semblables. N'oubliez pas, le destin de chacun est partagé par tous. J'ai compris. Il parle de la magie. Non, attendez. Non, de la téléportative. Non. Le téléphone est partagé par tous? Non, mais c'est pas ça du tout. Dites, grand maître, vous pouvez répéter? Non. Eh oui, ça y est, elle est partie. Et on se retrouve avec un beau petit problème. Ah oui? Eh bien, moi, je vais le résoudre à coup de gourdin. Non, non, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Encore et enfin une idée. Attendez, une minute.
faire pour vous quand même. Oui, tu te tais, merci. Bon, ça va, je ne crois pas qu'il nous ait vus. Les petits imbéciles. Hello, hello. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. Unie là-bas, Bobby, elle n'a rien. Oh, mais où est-ce qu'il peut bien l'emmener? Dresse-toi! Tu vas augmenter tous mes pouvoirs. Je ne souhaite que le pouvoir de téléportation, le pouvoir suprême de notre monde. Et tu vas me permettre de l'obtenir. Je pourrai enfin faire tout ce que je voudrais. Tout le monde devra s'incliner. Même Vengeur devra m'appeler maître. Ce type veut devenir le nouveau Vengeur. Pas question. Je suis là, pas de problème. Oui, alors trouve un moyen de libérer Unie. Et en attendant, c'est pas la peine de traîner par ici. Allez, allez, dépêchons-nous. Trouver la vallée perdue des licornes. Les trois dernières licornes m'appartiendront bientôt. Et je détiendrai le pouvoir suprême. Et tout le monde m'appellera maître. Qui le protège. Ah, je sais que je vais faire un malheur. Ça va, ne t'énerve pas, tu restes avec Unie. Je vais libérer les autres. J'attendais ce moment depuis bien longtemps. Alors, vous êtes sûr qu'il faut qu'on le libère? Moi, se trouve qu'on était tranquille sans lui. Oh, mais c'est pas possible, je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est? On va bientôt le savoir. Ne vous inquiétez pas, ils vous feront pas de mal. Oh, d'autres licornes. Il y a tout un troupeau. Oh, les pauvres. Kellec a pris vos cornes à vous aussi. Et il prendra celle des autres dès qu'il aura trouvé la vallée secrète du repère des licornes. Il faut y arriver avant lui pour les prévenir. Non, moi je vais nulle part tant qu'on n'a pas aidé Unie. Bobby, à mon avis, c'est le seul moyen de pouvoir l'aider, tu sais. Tu te souviens des paroles du grand maître? Le destin de chacun est partagé par tous. Bon, peut-être. Enfin, j'ai pas le choix. Les licornes pourraient nous conduire à la vallée si on pouvait gagner leur confiance. Oh, je crois qu'elles sont tout à fait convaincues. Secouez-vous! Elle se dirige vers la chute d'eau! Hé, par ici!
Tiens pas ça. Regardez, on y est. C'est la vallée secrète des licornes. Uni, fais attention, tu vas finir par tomber. Oh, mais où tu vas? Mais doucement, t'énerve pas, on est de ton côté. Eh bien, si c'est comme ça qu'il nous remercie, après tout ce qu'on a pu faire pour lui. Taisez-vous et ne bougez plus. Il n'a pas peur de nous, mais d'eux. Oh non. Merci à tous. Je savais que ces licornes accepteraient de vous quitter. Et maintenant, les trois dernières m'appartiennent. Mon bouclier va vous protéger. T'inquiète pas, Uni. On n'a rien. Et tu devineras jamais qui nous a sauvés. C'est Eric. Et pourquoi trouves-tu cela difficile à deviner, Bobby le barbare? Le grand maître. Alors, vous savez, Eric passe son temps à se plaindre. Alors, vous comprenez? Qui aurait pu croire qu'il était aussi courageux? Tout le monde est capable de bien des choses. Quelquefois, l'ennemi le plus farouche peut devenir l'allié le plus précieux. Tu prends des notes, bien entendu, Eric. Je vais te montrer si je prends des notes, mais je veux sortir d'ici. Voilà, c'est là. Kelek doit sûrement être déjà là. Il faut faire vite, sinon ça sera terminé. Oh oui, et il sera peut-être même plus fort encore que... Venzeur! Oh, est-ce que je deviendrai intelligent? Si tu deviens intelligent, sors quelque chose de chapeau. Des avions et des chars d'assaut, par exemple. Oh, tu vas voir, je vais faire mieux que ça. Vous avez déjà oublié ou quoi? Le grand maître a dit que parfois l'ennemi le plus farouche était l'allié le plus précieux. Alors notre ennemi le plus farouche, c'est Venzeur. Alors je vais l'appeler et il va sûrement... Oh non, 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 non. Le grand maître a bien dit parfois attention presto et parfois ça veut pas dire maintenant. Oh mais t'inquiète pas Eric, moi je sais ce que c'est. Abracadami, abracadina et... Bon, ben ça devrait suffire. Venzeur va bientôt arriver. Où ça? Enfin, ici. Tu crois quand même pas que... Tu as osé entrer dans le château de Vengeur. Et pour cela, tu seras châtié. Oh, bah, attendez avant, parce que je veux simplement vous aider. Tu veux m'aider? Est-ce que tu veux me jouer avec tout? Ah non, moi, jamais. C'est juré, il faut arrêter Kelek. Il prend les cornes de toutes les licornes. Et il a dit qu'une fois qu'il les aurait toutes... Arrête! Tu as bien dit Kelek? Parfait! Alors... Reprends-vous depuis le début! Et le plus fort sera le dernier. Encore! Oh, c'est encore plus stupide que l'idée de Presto. À propos, où il est passé, celui-là? Oh, tais-toi et vas-y! Allez! Je peux savoir à quoi ça vous avance, cette histoire? C'est notre faute s'il est ici. Alors il faut absolument le sortir de là et vite. Mais on risque de se faire piéger par Kelek. Gagné! Désolé, Hank. On a essayé. C'était un bel effort! Et votre dernier, surtout. Maintenant, vous avez assez créé de problèmes comme ça, c'est fini! Et si vous saviez d'où se débarquent les copains? Presto! Non, ouais. Mais comment tu as réussi à faire ça? J'ai rien fait. C'est lui. Mais Vengeur! Oui, c'est moi, Kelek! Tu veux pardonner mon intrusion? Non, mais bien sûr! Mais bien sûr, qui? Mais bien sûr, maître! Bien, je préfère ça! Il faut que je te remercie pour avoir gardé les cornes! Tu les as protégées pour moi! Kelek, annule le sortilège! Kelek! Oui, bien à tes ordres, maître! J'en connais un qui aura des problèmes.
Annule le sortilège, mais bien sûr, maître. Les cornes m'appartiennent, leur pouvoir m'appartient. Et maintenant, tu vas m'appeler maître. Ah oui. Vite, il faut filer d'ici. Non, pas comme ça. Elles sont bien trop faibles pour s'enfuir. Elles ont besoin de leurs cornes et tout de suite. Hey, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Les recoller? Mais non, admire. Abracadacolle, abracadacorne en vitesse. Je crois qu'il faut davantage de magie pour les remettre que pour les enlever. Ah, mais ce n'est pas vrai. Le grand maître a dit qu'il fallait en remplacer qu'une. Et je vais le citer. Le destin de chacun est partagé par tous. Enfonce ça dans ton chapeau. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais pour une fois, tu as raison. Bon, d'accord. Abracadacromie rend la corne à uni. Hé, hey, regardez ça. Oh, mais tais-toi, écoute. Le château s'enfonce, regardez! Évidemment! Keleg ayant disparu, son château disparaît avec lui! Et maintenant, tout ceci n'appartiendra qu'à moi! Oh, quelle saleté! Quel monstre, ouais! Comment on peut filer d'ici? Grimper sur les licornes! Elles peuvent nous téléporter! Ça pourrait bien être la fin de Keleg et de Vengeur. Oh, la fin de Vengeur, certainement pas. Tu sais, Diana, on n'a jamais vu une licorne aussi heureuse. Non, et on a rarement vu un petit garçon aussi triste. Bobby, il faut qu'on y aille. Il serait temps de trouver le moyen de rentrer chez nous. Moi, je ne partirai pas sans Uni. Bobby, et si elle veut rester? C'est normal. Mais je l'aime, moi. Il faut qu'elle revienne. En route, tout le monde. C'est parti. Est-ce que Uni va vraiment rester ici avec... Presto, chut. Tu vas te calmer, oui. Allez, allez, on a assez traîné. Pour la dernière fois, Sheila... Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi tu les as amenés ici? C'est ridicule. Le grand maître a dit qu'ils allaient grandir et devenir les gardiens des licornes. J'y peux rien, moi, s'ils aiment tes pieds. Uni! Uni! Je savais bien que tu viendrais. J'en étais sûre. Alors, tout va bien? Pourquoi tu dis ça? Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Et Bobby, tu veux un coup de main? Mais non, pas de problème. Oh, fais attention avec ta corne.